put it on my tab. C'est la question que tout le monde se pose présentement à quelques heures, voire même quelques minutes du début du spectacle. Comment on se sent? Est-ce qu'on se sent nerveux? Est-ce qu'on est prêt? Ouais, un peu nerveux, mais comme craqué. C'est comme travailler dans les bandes, tout ça, les joueurs. Alors les joueurs, ils tapent gauche-droite. Si tu prends la gauche, moi je prends la droite, tout ça. Là. Pour les gens qui connaissent pas The Last Assassin, si on avait à décrire un peu le band, l'univers musical, comment un peu on pourrait décrire The Last Assassin? On est une gang qui faisons de la musique ensemble, puis on essaie de que ça rock, puis qu'il y ait de quoi qui se passe. Il n'y avait pas d'histoire de band qu'on va faire un band. Non, on s'est retrouvés avec des chansons qu'on aimait, puis on a continué de jouer. Ouais, on est encore en train de se dire The Last Assassin, c'est quoi ça? C'est... Souvent, je joue la guitare la nuit, puis j'ai bien des riffs. Puis là, j'ai décidé que le film, le gars qui allait faire la musique du film, c'était un guitare héros qui trippait sur Jimi Hendrix. Moi, je trippe sur Jimi Hendrix. Fait que là, je jouais des riffs, puis là, j'ai inventé en plus un personnage pour le film qui s'appelle Johnny Welltipper. Puis là, j'ai fait des riffs. Puis là, j'ai dit, ça va être Johnny Welltipper qui va faire la musique de son film. Fait qu'à un moment donné, je présente mon band, les Last Assassins, qui n'existait pas. Puis j'avais même pas pensé à ça, c'était juste une idée comme ça. Puis là, on a commencé à aimer ça. Puis là, j'ai dit, ben, le band s'appelle Last Assassin's Johnny Welltipper. Fait que là, OK, on continue à inventer. Puis là, on a commencé à tourner des images, puis de Soft Funk. Puis là, ils ont composé tellement de tunes. Fait que là, on a dit, ben, on fait un disque d'abord. Mais c'était juste un disque d'instrumental, puis un peu de chansons qui était censé être avec le film. Puis là, finalement, j'ai dit, non, mais c'est bien que trop le fun. Je veux continuer à jouer avec vous autres. Fait que là, on a composé des paroles. Moi, j'en ai composé des fois. Eux autres en composaient, des trucs comme ça. Et on a roulé, mais toutes ces tunes-là, c'était des riffs qui venaient de musique de Hendrix, tout ça. Donc, c'est ça. Eux autres, ils sont anglophones plus que moi. Fait que moi, j'ai laissé faire les paroles. Puis là, on s'est dit, on fait des shows. Fait que là, j'ai dit, OK, on fait des shows. Fait que là, j'ai appelé Élie Dertoucard. Puis là, Élie, il dit, ben, je vais écouter. Puis là, il écoute, puis il dit, OK. Fait que là, on était bien, bien dans le marbre. Parce qu'il a dit, OK. Ça. Fait que là, ils ont dit OK, puis ils aimaient ça. Fait que à un moment donné, on est allé au meeting, puis on dit bon, ben on sort le disque, ça. J'ai dit pas vrai, tu sais, c'est comme c'est une joke. Fait que là, on a dit non, c'est vrai, ben en tout cas, c'était le fun. Puis, on a commencé à. Là, on commençait à sortir, puis là, ils ont commencé à booker des shows. Puis là, moi, j'étais sur le bord, ils ont dit non, non, j'y vais plus. Puis là, ils ont dit. Là, on a dit OK, on monte un show, puis on intègre des tunes à moi, des tunes à eux autres. Puis il y a beaucoup de tunes à moi qui fit avec les tunes qu'on a faites ensemble, c'est à moi qui fait la musique en général. Puis là, ben, le style, ça donne, je sais pas, Charlie, je sais pas. Moi, je dirais que c'est du soul. Que j'ai réuni vraiment du monde qui font de la poésie comme j'aime. T'sais, avec la musique. D'habitude, j'intégrais pas vraiment de monde. Puis là, fuck, man, on s'amuse ensemble, mais pour de vrai, j'ai pas fait un projet là. On a fait de la musique parce qu'on aimait ça faire de la musique ensemble. Puis là, avec Charlie, le bassiste, Côte d'Ivoire, David, que je suis habitué de jouer avec depuis 10 ans, plus Alain, qui fait 15 ans qu'on joue ensemble, qui vient de Cuba. Là, tout le monde, c'est comme. La sauce lève, puis je regarde mes amis, puis ça fait fou. Puis de l'amitié, ça spin, hein? Ça va vers le ciel. Ouais. C'est comme chat, chat, chat. Ben écoutez, on va vous souhaiter la meilleure des chances. On va vous laisser vous reposer. On m'annonce qu'on n'a plus beaucoup de temps, donc on va vous laisser vous reposer pour le spectacle. J'ai été puni parce que j'ai trop pris de temps. Alors merci beaucoup pour l'entrevue, très sympathique.